Oké, okay, dag iedereen. We zijn een veertigtal, mooi aantal. Horen jullie mij goed? Ja, blijkbaar. Super. Ik niet. Dat is ook de bedoeling. Hartelijk dank voor uw deelname aan deze webinar over het rapport over de decolonisatie van de openbare ruimte. Het resultaat van de werkzaamheden van een commissie die in 2021 werd opgericht op vraag van de Brusselse regering. Een aantal onder u, leden van Urban en anderen, maken van deze gelegenheid gebruik om kennis te nemen van de conclusies van dit rapport. Het doel van deze webinar is om de mensen die tijdens de Heritage Days in september als gidsen optreden, en ze zijn hier talrijk aanwezig vandaag, op de hoogte te brengen van het rapport, zodat ze de bezoeken en activiteiten die dit jaar op het programma staan, tot een goed einde zullen kunnen brengen. Het is niet onze bedoeling om de info die ze tijdens de activiteiten zullen meedelen te formateren of te sturen, maar eerder om hen vertrouwd te maken met een werktool die de komende jaren zeker een richtlijn wordt. Zoals u weet, ligt het thema gevoelig en roept het bij het grote publiek heel wat vragen op en soms ook scherpe en felle reacties. Om niet te verzanden in een simplistische en al te vage dialoog, is het des te belangrijker dat we kunnen steunen op de bevindingen van een aantal specialisten die het thema bijna een jaar lang ten gronde hebben onderzocht. Ook nog een belangrijk gegeven, het documentatiecentrum van Urban staat steeds tot uw beschikking om u te helpen bij uw opzoekingen over de specifieke locaties of de thema's die tijdens de Heritage Days aan bod komen. Ik geef nu het woord aan mijn collega Beacon de Reis. Dank u voor uw aandacht. Voilà, merci Jean-Marc. C'est quelques mots d'introduction en néerlandais, et donc je vais à peu près dire la même chose pour ceux qui maîtriseraient mieux le français. Mais donc vous remercier évidemment de votre présence ici. Donc comme vous le savez, cette séance est organisée dans la foulée et en préparation des journées du patrimoine Heritage Days de cette année-ci, qui touche une problématique qui est assez complexe et assez sensible. Cette séance est fondamentalement organisée à la demande des associations qui, vraiment, à l'issue d'un certain nombre de réunions, ont estimé qu'il était intéressant d'avoir un certain nombre d'explications qu'ils voudraient relier auprès de leurs guides, et dont certains d'ailleurs sont ici présents. Alors, c'est important de dire, comme le disait Jean-Marc, que l'objectif n'est pas de formater ou de conditionner un discours, mais pour nous, c'est important de faire passer le message que cette commission, que ce comité, ce groupe de travail s'est vraiment développé avec des spécialistes et sur base d'une information, d'une documentation de fond. Beaucoup d'universitaires, d'ailleurs, étaient inclus dans ce groupe de travail. Et que donc, ce n'est pas un discours qui est simpliste ou binaire, mais que justement, on veut montrer toute la nuance qui peut faire en sorte que, durant ces journées, on ne tombe pas dans une caricature de débat, mais que justement les guides qui vont être les porte-paroles de ces journées puissent justement aller plus loin dans leurs argumentations. C'est important aussi de dire, comme le disait Jean-Marc, que nous avons un centre de documentation qui n'est pas hyper spécialisé évidemment sur cette thématique, mais qui a malgré tout quelques ouvrages et surtout qui a beaucoup de documentation sur les différents monuments bruxellois. Je voulais le dire aussi, c'est très important que nous enregistrons cette séance pour pouvoir justement la laisser en ligne pour ceux qui ne pourront pas être présents aujourd'hui. Et en marge aussi de cette séance, je voulais vous dire que pour nous, c'est un peu une première, ce genre d'organisation qu'on fait en préparation d'un événement culturel. Et donc, si certains d'entre vous trouvent que c'est utile, intéressant, qu'on devrait le faire plus régulièrement, on est demandeur pour nous envoyer vos commentaires par mail, d'avoir vos retours pour savoir si, dans le futur, on doit multiplier ce genre de propositions. Voilà, c'est à peu près tout. Je crois que j'ai rien oublié. Je vais donc laisser la parole à Pascal Ingelaar
qui est donc une collègue de Jean-Marc et de moi-même, et qui est, comme vous le savez pour certains d'entre vous, a été chargée durant de nombreux mois du suivi pour Urban des travaux qui ont été effectués par le groupe de travail sur ce thème de la décolonisation et qui a donc débouché sur ce fameux rapport dont on va vous parler aujourd'hui. Ce que je propose peut-être, c'est que Pascal conclue peut-être en expliquant le contexte à l'issue des présentations de Marie-Sophie et de Sandrine. Et donc, vous l'aurez compris, la parole va essentiellement aujourd'hui être donnée à Marie-Sophie de Klippele et à Sandrine Ekofo, qui sont ici présentes et qui sont deux spécialistes de manière générale de la problématique et de la question de la décolonisation. Alors, je dis peut-être des bêtises, mais je pense que vous êtes toutes les deux juristes de formation. Marie-Sophie a plutôt une carrière, je dirais, académique, en tout cas, si j'ai bien compris, parce que je n'ai pas préparé du coup ça, Marie-Sophie, attachée à Saint-Louis et à l'université, à l'UCL, je crois, ou à l'ULB, ou à l'UCL aussi, hein, en tout cas. Non, à l'UCL. À l'UCL, oui, voilà. Et je sais que, voilà, que tu as donné déjà plusieurs fois des conférences sur cette thématique, et notamment étudié le cadre juridique de ces questions, si j'ai bien compris. Sandrine, si je ne dis pas non plus de bêtises, tu es plutôt attachée à des associations, je dirais peut-être pas de terrain, mais en tout cas très actives, dans la société civile et qui milite pour la question, je sais que tu as beaucoup travaillé notamment sur la question de la statuaire dans l'espace public et dans la représentation de toutes ces questions dans l'espace public, donc tu es aussi évidemment très spécialisée dans ce thème et donc vous êtes très complémentaire et c'est pourquoi nous vous avons invité. Alors, je vous laisse la parole et on reviendra. Alors, Pascal expliquera peut-être à l'issue de votre présentation quel a été le rôle d'Urban et quelle sera peut-être potentiellement la suite qu'on espère évidemment à ce rapport. Voilà, merci et la parole est à vous, Marie-Sophie et Sandrine. Merci Guy. Bonjour à tous, bonjour à toutes. On est très contents d'être là. Alors, avec Sandrine, on s'est répartis les présentations, aussi les langues. Donc, moi, je parlerai probablement principalement en français et Sandrine en néerlandais. Maar we begrijpen heel goed beide talen. Dus als er vragen zijn, kan ik ook in het Nederlands antwoorden. En Sandrine kan ook gemakkelijk in het Frans antwoorden. Donc, je vais vous partager le PowerPoint qu'on a préparé pour aujourd'hui et qu'on peut évidemment mettre à disposition si ça vous intéresse. Donc voilà, ça c'est juste rapidement le titre. Alors, pour brièvement vous dresser le contexte, donc on est parti de l'idée, Sandrine et moi, que vous avez évidemment déjà entendu parler du rapport et du travail, mais que vous n'avez peut-être pas encore tout lu. Donc, l'effort aujourd'hui sera principalement de vous résumer ce qu'on a fait, le mettre en contexte et puis vous partager des réflexions qu'on a eues, notamment sur des cas assez concrets. Et donc voilà, pour ceux qui ont déjà lu, peut-être que du coup vous pourrez poser des questions plus ciblées par après, et pour ceux qui ne l'ont pas lu, ben vous aurez un résumé maintenant. Et donc quand on regarde au niveau belge, quel est le contexte sur ces questions, des initiatives sont prises auprès des régions qui sont compétentes pour ces questions d'espace public, d'urbanisme et de patrimoine. Et donc c'est assez intéressant de voir qu'en fait les initiatives sont assez différentes. Donc en Flandre, ça s'est pris au niveau de l'intégration citoyenne. Avec le ministre Bart Somers, ils ont élaboré un manuel pour les communes pour gérer ces questions-là. Au niveau bruxellois, donc, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est, ça démarre du patrimoine culturel. Et en région wallonne, là, ce sont principalement des initiatives locales qui ont été prises sur ces questions. Et donc à Bruxelles, une résolution a été adoptée en juillet 2020 pour réfléchir à ces questions de décolonisation structurelle et inclusive de l'espace public. Et là, dans cette résolution, a été demandé de mettre sur place un groupe de travail pour faire des propositions, des recommandations qui ensuite pourront être traduites au niveau politique. Et donc, ce groupe de travail a vu le jour en novembre 2020. Il y a eu un grand appel, beaucoup de candidatures et finalement 16 personnes sélectionnées. Dont vous voyez nos belles photos ici sur l'image. Et donc Sandrine et moi avons eu la chance de pouvoir participer à ce groupe de travail qui a été donc composé de manière assez diversifiée. Donc on était 16, 8 issus du monde académique, 8 plutôt issus du monde associatif. Et puis par ailleurs, il y a une tentative de diversité maximale, même si on fait une rétrospection là-dessus aussi dans notre rapport. Je ne sais plus quelle page, mais ça on pourra vous le partager. Et puis, après avoir travaillé pendant
un an et quelques mois, le Covid n'a pas aidé. On a eu beaucoup de réunions par Teams comme aujourd'hui. On est finalement parvenu à déposer un rapport auprès du ministre, auprès du secrétaire d'État, qui l'a déposé au Parlement le 17 février 2022. Et donc, j'imagine que vous avez tous déjà eu accès à ce rapport qui est donc disponible en français et en néerlandais. Et la traduction en anglais, je ne sais pas si Pascal est déjà entre-temps reconnecté, mais devrait être bientôt terminée si vous avez des visiteurs intéressés anglophones pendant les visites des Heritage Days. Et donc, ce rapport est structuré en 7 chapitres. Il est assez touffu, donc il fait quand même 250 pages, presque un syllabus. Oui, ça j'ai entendu, oui, il est assez grand. Traduit aussi pas mal de travail et d'échanges qu'on a eu avec tous les différents participants. Et donc, le premier chapitre, évidemment, va mettre tout le contexte dans lequel on se situe, va aussi reprendre toutes des initiatives qui ont été menées depuis plusieurs années par plusieurs associations sur ces thématiques-là. Donc, on ne démarre pas de zéro, ce n'est pas un thème qui tombe du ciel, mais qui est porté depuis longtemps par plusieurs acteurs. Le deuxième chapitre va plutôt traiter de ce que c'est finalement un espace public décolonial. Et là, je vais donner la parole dans 2 minutes à Sandrine, qui va vous le préciser un peu plus. Le troisième et le quatrième chapitre et le cinquième, en fait, forment une espèce de cluster vraiment analytique. Quelles sont les traces et les symboles du colonialisme à Bruxelles, donc les identifier, puis comment analyser ces monuments et ces traces, avec quelle grille d'analyse, et enfin, quelles seraient des stratégies pour arriver à une décolonisation. Et ces trois chapitres-là, je vais vous les résumer par après. Celui des aspects juridiques, je vous en fais grâce, mais évidemment, si vous avez des questions, je suis disponible, puisque c'est principalement moi qui l'ai rédigé. Et on a un petit cas qu'on aimerait vous soumettre qui va soulever des questions juridiques et qui pourra un petit peu résumer ce chapitre-là. Et le dernier chapitre, évidemment, celui qui est peut-être le plus important, je ne sais pas, mais qui a en tout cas repris toutes nos recommandations. Et là, ce sera de nouveau Sandrine qui vous partagera nos recommandations. Et avant de laisser la parole à Sandrine, déjà, je vais vous parler des traces coloniales. Et donc, ces traces coloniales, le rapport insiste en fait sur la grande variété de ces traces coloniales. Ce n'est pas seulement les statues et les noms de rue, mais il y a vraiment une variété en termes il y a des monuments, des statues, il y a des styles architecturaux. Donc on a par exemple aussi parlé de l'art nouveau. Il y a des traces assez fortes, des traces moins fortes, des traces intentionnelles, des traces non intentionnelles. Ça, je vais y revenir un peu plus tard. Et donc, un des objectifs, évidemment, c'est d'identifier toutes ces traces coloniales qui se trouvent dans notre ville, qui sont d'ailleurs bien plus nombreuses qu'on peut se l'imaginer. Et les Heritage Days ont pour objectif d'un petit peu mettre ça en lumière et de montrer finalement aux Bruxellois que Bruxelles a aussi un passé colonial et devient une ville post-coloniale également. Et donc, il s'agit de les identifier, d'objectiver tous ces aspects problématiques, les nuancer évidemment. L'un n'a pas la même force problématique ou pas que l'autre, et de mettre tout ça en inventaire. Et oui, Sandrine, je te laisse la parole pour la question justement de l'espace public décolonial. Merci Marie-Sophie. Vous m'entendez bien? Oui, moi je t'entends. Okay, parfait. Dus dag iedereen. Ze hebben mij al voorgesteld, dus ik ben Sandrine Kofo. En ik zal in het Nederlands spreken. Tegenwoordig spreekt men heel vaak over decolonisatie of decolonisering. Het is een hot topic geworden natuurlijk. Maar ik denk dat het wel belangrijk is dat we ons eerst de vraag stellen van wat begrijpt iedereen onder decolonisatie eigenlijk? Want als we willen spreken over decolonisatie van publieke ruimte, moeten we eerst dat proberen te definiëren, zodat we allemaal hetzelfde verstaan. En ik denk dat jullie allemaal weten dat in de strikte zin decolonisatie betekent eigenlijk het refereren naar het proces waarbij Afrikaanse landen onafhankelijk waren geworden van hun Europese kolonisator. Maar vandaag de dag, wanneer men spreekt over decolonisatie, dan refereert me eigenlijk aan het zich ontdoen van koloniale erfenis en paradigma's en referentiekaders.
eigenlijk heel dat denkbeeld dat men heeft gecreëerd tijdens de koloniale periode, heel dat beschavingspropaganda van Leopold II en dat superioriteitsdenken dat wit beter is dan zwart. En vandaag de dag ga je ook merken, je merkt het in mentaal gebruik, dat men ook discussie voert rond terminologieën. Niet alleen terminologieën, beeldtaal rond verschillende aspecten. Decolonisatie kan men bekijken in een ruime zin, maar ook in een strikte zin. En nu gaan we de focus leggen op decolonisatie in de publieke ruimte, maar decolonisatie, de roep om te decoloniseren, is vandaag de dag in het onderwijs, in verschillende aspecten van onze samenleving. Maar ik ga me nu dus hier enkel beperken tot decolonisatie van publieke ruimte. En dus denk ik dat het wel belangrijk is dat we begrijpen dat die paradigma's toch vandaag de dag doorsijpelen in onze gedachten. Dus wij moeten echt komaf maken met die beschavingspropaganda en een soort van mentale shift creëren. En volgens onze werkgroep betekent dat dus dat we een einde moeten maken aan die hiërarchie tussen nakomelingen van gekoloniseerden en nakomelingen van kolonisator. En moeten we ook vooral die gekoloniseerde volkeren, die mensen van de diaspora, ook een stem geven. We moeten eigenlijk ook ophouden om hen voor te stellen als een bevolkingsgroep die passief is, als een soort van leidend voorwerp. Maar we moeten ook hen vandaag de dag een plek geven in onze samenleving en ook in onze publieke ruimte. Er moet dus meer ruimte worden gegeven aan die gemarginaliseerde verhalen. Bijvoorbeeld rond de geschiedenis van Congolezen, Rwandezen en Burundezen en hun aanwezigheid in België. En het is ook belangrijk dat we hen in een andere daglicht plaatsen. Zoals ik reeds heb gezegd, het waren niet alleen mensen die de kolonisatie hebben ondergaan, maar dat waren ook mensen die zich hebben verzet tegen heel die koloniale regime. En dat is ook belangrijk dat we hen zo ook kunnen presenteren en dat die verhalen ook verteld kunnen worden. Dus dat is dan wel heel belangrijk. Daarnaast, ja, de decolonisatie van de openbare ruimte. Wat bedoelen we daarmee? Is het de bedoeling dat we dan alle koloniale sporen uitwissen? Want meestal draait het debat daar rond. Als men spreekt over de noodzaak om te decoloniseren, dan stoot je eigenlijk heel veel mensen voor de borst. Omdat we dan het gevoel creëert van, ja, wij willen alles, wij willen een beeldenstorm organiseren en alles uitwissen in de publieke ruimte. Maar dat is, wees gerust, dat is echt niet de bedoeling. Dat is niet de bedoeling en dat is ook niet de aanbevelingen van de werkgroep. Wat voor ons wel belangrijk is, dat men eigenlijk, wat een decoloniale openbare ruimte is eigenlijk voor ons een ruimte waar alle sporen van het koloniale verleden werden verwijderd, niet verwijderd, maar dat ze eigenlijk vrij wordt gemaakt van materiële elementen die nog steeds ongelijke verhoudingen promoten tussen de voormalige witte beschaver en de voormalige zwarte gekoloniseerde. En die een ideologie voorzetten van racisme, ongelijkheid onder burgers van eenzelfde land op basis van huidskleur. Dus het is eigenlijk wat wij proberen te doen, is die verheerlijking van het koloniaal verleden in de publieke ruimte, die verheerlijking, ja, stop te zetten. Door onder andere bijvoorbeeld standbeelden, zoals die van Leopold II, een figuur die dan wel heel hard gecontesteerd wordt vandaag de dag, of figuren zoals Storms of generaal Jacques, hen eigenlijk, ja, te contextualiseren, dus nood ook, ja, weg te halen uit de publieke ruimte. Maar dat is een hele discussie. We hebben niet gezegd dat je standbeelden volledig moet weghalen. We hebben eigenlijk geprobeerd om case to case te bekijken van wat is hier belangrijk? Waarom moeten we bepaalde standbeelden in onze publieke ruimte wegnemen? Waarom moeten andere blijven staan? En als ze blijven staan, wat gaan we daarmee doen? Gaan we dat contextualiseren? Gaan we dat omvormen? Gaan we een tegenstandbeeld daarnaast plaatsen? Er zijn verschillende innovatieve zaken dat we kunnen doen. En dus hebben we daar een beetje die pistes proberen te bewandelen. En wat voor ons is ook belangrijk, is het stopzetten van die beeldtaal van geweld en ongelijkheid in de publieke ruimte. Ik denk een frappante voorbeeld is die standbeeld van Nègre Marron, de zwarte man die afgebeeld wordt in onze publieke ruimte tijdens de slavernij. Die wordt achtervolgd door honden. Dat is dus een representatie die vandaag de dag niet meer hoort in onze publieke ruimte volgens de werkgroep. Er zijn bepaalde zaken die vroeger belangrijk of normaal werden aanschouwd. Maar dat
dat neemt niet weg dat het problematisch is. De tijdsgeest van vroeger is niet meer de tijdsgeest van nu. En vandaag de dag leven we in een diverse samenleving. En het is belangrijk dat we nu ook beginnen na te denken over die beeldtaal dat we nog steeds in onze publieke ruimte laten. Dus dat is ongeveer in een notendop wat voor ons de accenten waren, de kader waarom wij hebben gewerkt. En nu geef ik terug het woord aan Marie-Sophie. Merci Sandrine. Et donc, comme Sandrine vous a très bien expliqué, tout l'esprit de ce groupe de travail était d'une part de mettre l'accent que le mouvement de décolonisation, le concept de décolonial, était bien plus large évidemment que la simple décolonisation de l'espace public. Et donc, c'est vraiment quelque chose de sociétal, un changement de perception, un changement de mentalité, une ouverture, une inclusivité. Et en même temps, spécifiquement pour l'espace public, on s'est attelé à définir ce que nous entendions par la décolonisation de l'espace public. Et donc là, Sandrine vous l'a reproduit. Et donc l'idée, effectivement, de ne pas simplement s'arrêter à juste retirer ou à juste contextualiser, mais vraiment opérer une ouverture, une compréhension d'autres points de vue sur cette histoire coloniale qui a longtemps été racontée d'une manière, en fait, d'une manière assez propagandiste et qui s'est trouvée dans notre espace public. Cette propagande a été matérialisée à travers toute une série de traces dans notre espace public. Et donc, remettre ça en question, c'est pour nous aussi les décoloniser. Et donc, pour faire ça, pour justement décoloniser, remettre en question, réinterroger, changer de paradigme par rapport à tous ces symboles et ces traces coloniales, on a élaboré plusieurs stratégies. Alors, on a distingué les symboles coloniaux qui sont vraiment érigés de manière intentionnelle. Et donc ça, j'imagine que vous ferez des visites guidées devant des symboles qui ont été érigés pour glorifier à la gloire de l'histoire coloniale. Et donc pour ces symboles-là, on a présenté trois options temporaires et trois options plus long terme et plus permanentes. Et donc de manière temporaire, l'accent est vraiment sur le dialogue social et la construction de scénarios, donc là, vraiment de raconter cette histoire. Et donc là, je pense que votre rôle est par exemple assez essentiel puisqu'il permettra de faire entrer toute une série de personnes intéressées en dialogue avec des symboles qui se trouvent dans leur espace public. Donc ça passe par exemple par le fait de tolérer des traces de contestation. Et donc, on a tout un passage qui a été réfléchi sur la notion de vandalisme barré. Donc, vous voyez que c'est barré, c'est exprès. C'est pour vraiment réfléchir au fait que ce n'est peut-être pas du vandalisme, c'est une trace de contestation qui pourrait être perçue comme une forme d'activisme. Et si je vous ai mis l'image du général Storm, je vais revenir sur ce cas-là à la toute fin, puisque peut-être que vous le savez ou pas, mais entre-temps, la statue a été nettoyée et ensuite déplacée. Mais bon, ça reste quand même un bon exemple d'une trace de contestation qui a été maintenue. Deuxième option temporaire, c'est la contextualisation. C'est vraiment ajouter de l'information par un texte, par des images, par toute une série de choses qui permettent de mieux comprendre la statue, le nom de rue, le monument, la trace, le matériau utilisé qui serait problématique en termes d'histoire coloniale et dont on veut prendre une distance critique. Et là, par exemple, on a renvoyé à une application que vous connaissez peut-être, de Faro, qui fait tout un trajet par rapport au patrimoine, pas nécessairement au patrimoine décolonial, mais qui est quand même intéressante pour pouvoir justement voyager à travers notre patrimoine dans l'espace public. Et enfin, une autre option, évidemment, de développer des pratiques mémorielles différentes. Il y a des exemples qui sont cités dans notre rapport où il y a des journées commémoratives qui sont organisées principalement par des associations qui sont déjà longtemps présentes sur le terrain et qui permettent aussi d'entrer en dialogue face à ces symboles et de montrer qu'en fait ils sont là et qu'ils méritent, enfin qu'ils doivent être problématisés, qu'on peut en tout cas pas ne rien faire. Alors en long terme, trois options de nouveau. Et donc là, l'idée clé, après ce dialogue social, n'est pas d'effacer les traces, ce serait trop facile, mais plutôt de les transformer. Et pour les transformer, plusieurs options sont possibles. La première, et là, c'est celle qui pourrait peut-être susciter des discussions, mais c'est l'idée de retirer et de remplacer. Alors, on a toujours essayé dans le rapport que cette idée de retirer certains symboles de l'espace public demeure proportionnelle. Et que à cet égard-là, par exemple, ce qui concerne vraiment la démolition, qui n'est pas la même chose que retirer, hein, ça, retirer, on le déplace, par exemple,
soit quelque chose de dernier ressort. Donc, la statue Storms que je vous ai montrée a entre-temps été retirée de l'espace public. Et alors ici, je vous mets en image, peut-être que c'est une des visites prévues, ça je ne me suis pas assez renseignée pour le savoir, mais la Lever House, qui était donc la maison de Unilever, enfin à l'époque c'était encore Lever, qui servait un petit peu de vitrine commerciale de leurs activités coloniales, est toujours préservée. Elle appartient à la communauté française et une des idées, une des suggestions d'ailleurs que nous avons faites aussi, serait d'en faire un lieu d'accueil de certaines traces problématiques, un espèce de musée décolonial. Alors, une deuxième option qui est possible, ça c'est une optique assez originale, c'est de réutiliser le matériel pour une nouvelle représentation. Donc par exemple le bronze, le cuivre, la pierre qui est utilisée, de la recycler pour en faire quelque chose d'autre. Et dans le rapport, vous verrez des exemples dans d'autres pays, comme en Colombie, où on reprend aussi du matériel pour créer du neuf, quelque chose qui en fait fait sens dans l'espace public d'aujourd'hui. Comme l'a dit Sandrine, l'espace public d'aujourd'hui est pour une société diverse et n'est pas pour la société du 19e ou du début du 20e. Et enfin, troisième option, c'est la contextualisation aussi comme l'option temporaire, mais alors par des interventions peut-être plus visuelles, où on peut avoir d'autres œuvres d'art contemporaines en dialogue et qui soient alors réfléchies vraiment en sens plus large avec tout le côté urbain autour, pas simplement quelque chose vite fait, voilà. Et donc aussi réfléchir au message que véhicule le monument. Alors ça, c'est pour vraiment la réflexion sur les traces intentionnelles. Pour les traces historiques plus larges, qui sont là, mais qui ne sont peut-être pas là de manière intentionnelle pour la glorification du passé colonial, alors on suggère d'appliquer une mémoire historique critique en utilisant des documents et des points d'ancrage urbains. Et donc là, il s'agit d'être plus dans la profondeur, dans la nuance de l'analyse et d'aller voir vraiment, mais toutes ces traces, finalement, méritent aussi une réflexion critique. Il convient aussi d'augmenter la valeur des traces qui sont liées à l'histoire congolaise, rwandaise et burundaise en Belgique. Et donc aussi de valoriser les acteurs qui sont là et qui participent à cette histoire, qui participent à la connaissance de cette histoire chez nous. Et alors pour les nouveaux monuments, ceux qui sont là, pour ceux qui seront érigés un petit peu en vis-à-vis d'autres monuments et des espaces artistiques, eh bien, l'essentiel, évidemment, qu'ils racontent un nouveau narratif. On ne parle peut-être pas assez de toutes les résistances qu'il y a eu à l'époque vis-à-vis de l'entreprise coloniale ou des victimes, évidemment, avant tout, qu'il y a eu de toute cette entreprise coloniale. Et donc, tous ces narratifs-là qui participent à la réalité de l'histoire coloniale peuvent aussi être mis en avant par ces nouveaux monuments ou par des nouvelles interventions artistiques. Et donc, en ce sens-là, évidemment, dans l'idée d'éviter des représentations stéréotypées et d'impliquer des artistes d'origine subsaharienne. Alors, ça, c'était donc les chapitres 3, 4, 5 que je vous ai résumés et on arrive au dernier chapitre des recommandations générales. Sandrine. Merci, Marie-Sophie. De belangrijkste hoofdstuk en ook het moeilijkste hoofdstuk dat wij hebben geschreven is inderdaad die aanbevelingen. Omdat ja, iedereen was eigenlijk aan het wachten voor die aanbevelingen. Het was al heel duidelijk dat het Brusselse hoofdstedelijk gewest daarop wachtte, de gemeente. En dat we allemaal, dat iedereen zich afvroeg van wat gaan we nu doen met die standbeelden in Brussel? Wat gaan we nu doen met die straatnamen? We hebben het al eerder gezegd. Gaan we alles wissen? Gaan we het bewaren? Gaan we gehoor hebben rond één bevolkingsgroep die vraagt dat die beelden worden verplaatst? Of gaan we ook gewoon de publieke ruimte laten zoals het is en een andere bevolkingsgroep hun wens respecteren? Hoe dan ook hebben wij, aangezien het een multidisciplinaire groep was, hebben wij de koppen bij elkaar gezet en zijn we gekomen tot een compromis à la Belge. Dat was een hele moeilijke proces, omdat we toch, zoals Marie-Sophie heeft gezegd, we waren met verschillende mensen van verschillende achtergronden, op academisch vlak, maar ook op cultureel vlak. En dat heeft op sommige momenten gebotst. Het was heel moeilijk om te komen tot een compromis. En soms vroegen we ons ook af van, is het wel onze taak? Is het de taak van de experten om nu
te komen tot oplossingen, aanbevelingen, concrete aanbevelingen? Of moeten we meer, zoals de Vlaamse regering heeft gedaan, een soort van gids opstellen, een handleiding waarop de gemeenten zelf aan de slag mee kunnen en zelf kunnen beslissen van wat is er problematisch in onze stad? Of, maar voor ons was het dan interessant om eigenlijk een soort van eerst algemene aanbeveling te geven, die ik zo meteen met jullie ga dus bespreken. En achteraf hebben we ook dan toch besloten om ook wat concrete, specifieke aanbevelingen te geven. Dus wat de algemene aanbevelingen betreft, hebben we het onderverdeeld in een regionaal niveau en een gemeentelijk niveau. Voor ons was het vooral belangrijk dat er een soort van coherentie ging ontstaan voor het Brussels hoofdstedelijk gewest. Dus wij beveelden dan aan het Brussels hoofdstedelijk gewest om een gewestelijke decolonisatieplan op te stellen, een soort van masterplan. In dit plan moet rekening worden gehouden met de spreiding van koloniale sporen over het grondgebied, over de 19 gemeenten. Want ja, het is duidelijk dat sommige gemeenten meer sporen hebben in hun gemeente en andere hebben minder sporen. En voor ons was het eigenlijk belangrijk dat het gewest die overzicht zou hebben van al de sporen. En dat het ook in samenwerking ging, dat de zaken in samenwerking gebeuren met de gemeente. Maar het gewest moest volgens ons dan verschillende zaken doen. Zoals een jaarlijkse herdenkingsdag organiseren, gewijd aan het koloniale geschiedenis. En de nagedachtenis van de slachtoffers van de van de slachtoffer van de kolonisatie te vieren. We herdenken heel vaak bepaalde belangrijke datums in onze geschiedenis. De Holocaust, Wereldoorlog 1, Wereldoorlog 2. Maar voor ons als werkgroep was het belangrijk dat we ook een moment vinden om ook de slachtoffer van de kolonisatie te herdenken. Want dit wordt tot nu toe nog niet gedaan. Dus wij wouden ook dat Brusselse hoofdstedelijk gewest een hulde zal brengen aan de veerkracht en het verzet van de acties van kolonisatie van de volkeren die zich daartegenover hebben verzet. Het is belangrijk dat we die weerstand ook tonen, want ja, zelfs als we kijken in onze schoolboeken, de manier waarop men onderwijst rond kolonisatie is alsof die bevolkingsgroepen, Rwandese, Burundese en Congolese, mensen waren die zich totaal hebben laten koloniseren en dat ze zelf geen verzet hebben getoond. En dat is heel problematisch. En daarin willen we ook het gewest aanmoedigen om dus heel die werk te doen. Voor ons is het belangrijk dat we ook een beetje mensen leren rond wat er is gebeurd, ook in de geschiedenis, maar ook vanuit het perspectief van de gekoloniseerde bevolking. Wij hebben ook geadviseerd om een jaarlijkse herdenking van de onafhankelijkheid van Congo, Rwanda en Burundi te hebben. En wat ook voor ons belangrijk was, is dat het gewest een documentatiecentrum zou oprichten met de volgende doelstelling: in samenwerking met verschillende deskundigen een inventaris bij te houden van het hele koloniale en postkoloniale erfgoed. Voor ons is het belangrijk ook om informatie beschikbaar te stellen aan de gemeentes ook en ook aan het publiek gewoon. En voor ons is het ook belangrijk dat er een referentiepunt, dat Brussel eigenlijk een soort van referentiepunt kan fungeren voor de Brusselse gemeente. Wij hebben ook nog aanbeveeld om het oprichten van een museum dat gewijd is aan Brussel als koloniale en postkoloniale stad. En misschien ook een oprichting van een centrale opslagplaats voor bustes, monumenten en standbeelden, gedenkplaatsen die uit de openbare ruimte worden verwijderd. Het is dan voor ons vooral belangrijk dat we die bewustmaking en die debat voeren in de publieke ruimte. Maar niet alleen niet alleen als bepaalde instanties, maar voor ons is het belangrijk dat we samenwerken met de Afrikaanse diaspora die eigenlijk dit onderwerp al jaren op politieke agenda hebben proberen te zetten, maar waarvoor er tot nu toe nog niet veel gehoor was. Daarnaast is het voor ons vooral belangrijk ook op gemeentelijk niveau dat er lokale processen worden opgezet. Er moet dus eigenlijk ruimte en tijd worden gereserveerd voor die dialoog met de burgers.
Want ik denk dat het duidelijk is dat er heel veel contestaties waren geweest in Brussel, vooral voor wat het standbeeld van Leopold II betreft of Storms. Jongeren bekladden die standbeelden keer op keer. Dus het is belangrijk dat we eigenlijk samen nadenken van wat kunnen we nu doen als samenleving in Brussel voor die problematische monumenten. Dus voor ons is het belangrijk ook dat er een participatieve proces wordt op poten gezet. En voor ons willen we dat het niet wordt beperkt tot enquêtes, simpele enquêtes, want dan belanden we in een soort van ambicordie-toestanden. En hetgeen wij als werkgroep eigenlijk betreuren. Wij betreuren dat er door die enquêtesvorm dat de mensen eigenlijk niet verder hebben zitten nadenken over de impact en de keuzes dat ze hebben geuit om ambicordie eigenlijk te kiezen ter vervanging van Leopold II tunnel. Voor ons was het eigenlijk een gemiste kans om bijvoorbeeld een zwarte vrouw, een vrouw van Congolese, Rwandese of Burundese afkomst te kiezen ter vervanging van die Leopold II tunnel. Dus dat zijn zaken die we zeker hebben meegegeven in die algemene aanbevelingen. Je mag verder naar de volgende slides, Marie-Sophie. Daarnaast heeft de werkgroep ook stilgestaan voor wat betreft specifieke maatregelen. En ik denk dat dat wel het moeilijkste was om tot die consensus te komen, zoals ik reeds heb gezegd. Maar we hebben geprobeerd om een aanpak per geval te doen. En voor ons was het ook belangrijk dat er een soort van transformatie ging gebeuren in onze publieke ruimte. Dus wij hebben dan eigenlijk stilgestaan op 9 cases. Jullie zien hen hier opgelijst. We hebben dus eigenlijk een beetje nagedacht van wat gaan we nu doen met Leverhouse of met de problematische standbeeld van Leopold II te Troonenplein. We hebben dan ook een geval besproken van Hotel van Eetvelde. Wat doen we met hotels? Wat doen we met gebouwen? Wat doen we met het Jubelpark? Wat doen we met standbeeld van Storms of andere standbeelden, andere problematische standbeelden? We hebben het ook gehad over monumenten van koloniale pioniers en generaal Jacques Laan als naam. Dus dat zijn de 9 cases waarop wij toch hebben gedacht van oké, dit zijn volgens ons de meest problematische, waarop heel veel discussie rond bestaat. En hier gaan wij dan proberen als groep bepaalde pistes te geven. Want het was echt wel heel moeilijk voor ons om te zeggen van voor die standbeeld doe weg. Wij wouden dat niet doen en wij vinden ook dat wij de ruimte moeten geven aan de politici om zelf eigenlijk hun eigen verantwoordelijkheid te nemen. Maar wat wij wel wilden doen, is hen een beetje leiden, want in hoofdstuk 4 en 5 hebben we dan eigenlijk een soort van verschillende strategieën uitgelegd. En uitgelegd van, indien me een figuur zoals Leopold II de Troonenplein wegneemt, wie heeft het gecreëerd, waarom werd dat gecreëerd, waarom is het problematisch vandaag de dag, in welke tijdsgeest werd het gecreëerd of geplaatst en met wat moeten we allemaal rekening houden, zou het een goed idee zijn om dat weg te doen, wat zijn de pro's, wat zijn de contra's. We hebben echt geprobeerd om zoveel mogelijk pistes te geven, zodat de leiders zelf, de politici zelf, tot een beslissing kunnen komen. Maar voor ons is het heel belangrijk dus, om dan eerst een dialoogfase te doorstaan. Voor het ruitenstandbeeld is het belangrijk dat we dus eerst gaan discussiëren en dat de mensen eigenlijk begrijpen waarom het problematisch is. Dus we hebben dat ingedeeld in 2 fases. Een eerste fase rond dialoog, een tweede fase rond concrete scenario's. En daar hebben we toegespitst op 2 scenario's. Wat de eerste fase betreft, dachten we van er waren 2 opties. Ofwel kunnen we tijdelijk een constructie neerzetten rondom die standbeeld. De bedoeling van die constructie is eigenlijk dat standbeeld te verstoppen. En op die omhulsel zouden we dan allerlei zaken schrijven of artiesten vragen om dat standbeeld te problematiseren. En eigenlijk ook mensen nieuwsgierig maken van waarom wordt dat standbeeld verstopt, wat houdt dat in, wat is er problematisch aan. Dus eigenlijk was het meer zo mensen triggeren tot nadenken van het problematiek. Een andere piste was het standbeeld even wegdoen, volledig. Even naar een musea zetten, maar enkel de sokkel, een lege sokkel laten.
En op die lege sokkel zouden bepaalde artiesten eigenlijk een tijdelijke artistieke interventie doen. En dat is ook dan ook weer om mensen nieuwsgierig te maken, om mensen ook aan te moedigen tot die dialoog, dat er bepaalde gesprekken gevoerd worden van is dat nu oké wat we doen? Is dat interessant, ja of nee? Dat is op korte termijn, maar op lange termijn denken we toch dat we ook naar ergens toe moeten belanden. En op lange termijn vonden wij eigenlijk dat het best was om ofwel die standbeeld te laten smelten. Voor ons is het symbolisch een heel sterke gebaar om een problematische standbeeld zoals Leopold II te laten smelten. En met die gesmolten materiaal zouden we dan een gedenkteken kunnen maken ter nagedachtenis van de slachtoffers van de kolonisatie. Dat is één piste, dat is wel een heel symbolisch sterke piste waarop wij waarschijnlijk betwijfelen dat de politiekers die piste zullen bewandelen. Maar toch vonden we het belangrijk om die piste ook mee te geven. Een andere standbeeld waarop we denken dat er misschien meer consensus of draagvlak zal voor kunnen worden gevonden. Je mag even terug naar de vorige slides. Dat is eigenlijk die standbeeld verplaatsen naar de musea. En met die vrijgegeven plaats zouden we dus een nieuwe narratief, een nieuwe standbeeld kunnen plaatsen die iets vertelt over het koloniale verleden. Volgende slide, Marie-Sophie. Dankjewel. Daarnaast hebben we ook getrancheerd over een monument voor de Belgische pioniers die zich te Jubelpark bevindt. Voor het monument voor de Belgische pioniers, die in 1921 werd ingehuldigd, bevelen wij aan om het monument ter plaatse te houden en het om te dopen tot monument voor de deconstructie van Belgische koloniale propaganda. En het ook visueel en inhoudelijk te deconstrueren. Dus dat is dan een voorbeeld van een standbeeld die we zeggen van oké, we gaan dat niet verplaatsen ergens anders, we gaan dat daar houden, maar we gaan er wel iets mee doen. We gaan dat aanpassen, transformeren, om het duidelijk te maken dat het wel problematisch is en dat het vandaag de dag zo niet kan blijven staan. De volgende dia, alsjeblieft. Wat een monument voor de koloniale pioniers van Elsene betreft, hebben wij geadviseerd om die monument over te brengen naar het museum in Elsene. En dus die musea zou dan eigenlijk de stereotype en geracialiseerde voorstelling van de Mangbetsu-vrouwen kunnen analyseren. Voor ons is het belangrijk dat we eigenlijk die monument vervangen door een andere werk als eerbetoon aan één of meer Congolese vrouwen. Dat is dan een van de mogelijke pisten dat wij hebben opgelijst. Daarnaast, naast het bestaande monumenten te laten smelten, verplaatsen of deconstrueren, was het voor ons ook belangrijk om ook gewoon nieuwe monumenten op te richten. En die nieuwe monumenten gaan eigenlijk toelaten om ook andere narratieven te vertellen. Narratieven die een verband houden met onze koloniaal verleden, maar ook met onze actuele diverse samenleving. Het is duidelijk dat er vandaag de dag ook veel meer mannen worden geëerd in onze publieke ruimte. Daar is meer een roep tot vervrouwelijking, maar ook een roep tot diversere mensen die we eren in onze publieke ruimte. Dus voor ons is het belangrijk dat we die publieke ruimte ook inclusiever kunnen maken. Dat is ook een van onze aanbevelingen. Volgende slides. We hebben dus ook getrancheerd rond straatnamen, wat alle straatnamen, pleinen, haltes en tunnels betreft, die verwijzen naar koloniale helden. Is het voor ons eigenlijk belangrijk om die verwijzingen allemaal te hernoemen naar vrouwen en of personen van kleur die gelinkt zijn aan de Belgische kolonisatie. Voor ons is dit een historische kans om te komen tot een evenwichtige vertegenwoordiging van geslacht en herkomst. Dat is dan een van onze belangrijke aanbevelingen waarop wij toch een consensus konden vinden met de werkgroep. De volgende slide. Er zijn er 9 gevallen en ik heb er hier 3 of 4 opgelijst. Voor de resterende gevallen nodig ik jullie uit om ons rapport te lezen. Het is een dik rapport, dat is waar. Maar die laatste hoofdstuk is eigenlijk maar een klein hoofdstukje.
Daar kunnen jullie dan eigenlijk zien van wat was onze redenering, waarom zijn we gekomen tot die besluit of die conclusie, wat waren de pro's en de contra's, wat waren de moeilijkheden, wat waren de uitdagingen. Dus ik nodig jullie uit om dat zeker te doen. Daarnaast, nu dat we ons rapport hebben ingediend, vinden wij dat het ook wel belangrijk is om na te denken over wat nu. Het rapport is ingediend, wat gaan we nu mee doen? Marie-Sophie zal later dan vertellen waarom het belangrijk is dat we toch nog verdere stappen ondernemen. Want één, het is een dik rapport van 250 pagina's. Niet iedereen neemt de tijd om dat te lezen. Er is wel heel veel commotie geweest rond de publicatie van ons rapport. Dat werd hernomen door verschillende kranten, nationaal, internationaal. Het is ook belangrijk om te weten dat andere landen ons ook opvolgen. Frankrijk, Londen, Groot-Brittannië, Nederland. Ze bekijken ook van wat doet België met haar koloniale verleden. Dus voor ons, wij hadden geadviseerd aan de politici om een opvolgingscomité te creëren. En wij waren zelf vaak een partij om in die comité te zitten. Om te zien eigenlijk dat die aanbevelingen dat we hebben gegeven, dat ze ook wel degelijk worden uitgevoerd. Dus het doel daarvan is toezien op de opvolging en de uitvoering van de aanbeveling van de werkgroep. Dus wij zijn vragend partij om betrokken te worden in die comité. Wij hebben ons werk gedaan, maar het is nu eigenlijk, nu is het de beurt aan de Brusselse regering om aan de slag te gaan met onze aanbeveling. Wij hopen dat we niet 1,5 jaar hebben gewerkt voor niks. En wij hopen dat we hen eigenlijk kunnen inspireren met ons rapport. En niet alleen de politici, maar ook de gemeentes. Want ondertussen zal Marie-Sophie vertellen in de volgende slide dat de gemeenten zelf al initiatief nemen. En denken dat ze eigenlijk zaken doen die conform zijn met ons rapport. Maar aangezien ze waarschijnlijk maar samenvattingen ergens hebben opgepikt, blijkt het toch nog wat problematischer te zijn. Vandaar dat het belangrijk is dat we dat er zo van die momenten worden georganiseerd waarop wij als experten eigenlijk in dialoog kunnen treden met publiek, maar ook met verschillende instanties, om dan eigenlijk in een notendopje te vertellen van wat is nu de essentie, wat is onze boodschap en met wat hebben we ons 1,5 jaar bezig gehouden en wat is de kern van onze boodschap. Ik zal nu het woord geven aan Marie-Sophie, die hier dan een studiecase gaat bespreken met jullie. Merci Sandrine. Merci beaucoup. Donc, comme Sandrine vous a bien expliqué, tout l'apport et la plus-value de ce rapport, c'est d'effectivement faire les choses en nuance avec plusieurs approches, des approches temporaires, des approches à long terme, des stratégies, toute une grille d'analyse en fonction des différents types de traces coloniales et aussi de le faire dans le respect des règles du droit. Donc, je ne vous ai pas résumé le droit relatif à ces traces coloniales. Il n'y a d'ailleurs pas de droit spécifique, mais il y a tout de même des règles à respecter. Et donc, le cas assez récent que vous avez peut-être suivi du 30 juin 2022, où la commune d'Ixelles a décidé de retirer le buste de Storms, ce qui n'est évidemment, en termes de, sur le fond, pas quelque chose qu'on conteste dans l'idée même, puisqu'effectivement, on peut se demander s'il a réellement sa place dans l'espace public. Mais dans l'approche, dans le processus, dans la forme de ce qui s'est passé, là, par contre, on pourrait plutôt se poser des questions, puisque d'une part, cela a été fait sans aucun processus de dialogue ni de participation. Personne n'était vraiment au courant, hormis quelques journalistes à 7h du matin quand la statue a été enlevée. Et d'autre part, il y a toute une procédure juridique à suivre, encore plus forte si la statue est classée comme, pas classée comme monument, mais elle est classée dans un site, puisque tout le square de Meus est classé, en ce compris les statues qui sont dessus. Donc ça implique qu'il faut alors suivre les règles dans le Code bruxellois de l'aménagement du territoire et demander notamment l'avis de la Commission royale des monuments et sites. Tout ça n'a pas été fait. Nous, on n'est pas les gens d'Urban, on sait peut-être plus ce qui a été réellement demandé en termes de permis ou pas. Mais c'est en réalité, à notre estime, un peu dommage qu'un sujet qui est tout de même pas évident, qui demande pas mal de nuances, de compréhension, d'écoute, soit du coup un petit peu brusqué pour dire voilà, on a fait quelque chose, on enlève la statue, on a inclus personne, on ne fait pas participer, on n'a pas vraiment demandé de permis, mais on avance parce qu'on estime que c'est important. Donc ça, voilà, il ne faudrait pas que ça décrédibilise finalement le rapport et tout ce que le rapport véhicule sur le sujet de la décolonisation de l'espace public.
Et sur ces petites considérations critiques, on clôture notre présentation et évidemment, on est disponible pour vos questions. Merci beaucoup. Un tout grand merci, Marie-Sophie et Sandrine, pour votre présentation qui était voilà, non seulement très précise, mais en même temps dans un timing parfait. Je vais laisser dans une seconde la parole à Pascal qui nous a entre-temps rejoint. Peut-être juste deux, trois petites précisions rapidement, vous dire, parce que c'est voilà, important pour nous, normalement, devait être avec nous Brigitte van der Bruggen, que vous connaissez peut-être certainement une grande partie d'entre vous, qui est donc la chef d'orchestre des Journées du patrimoine et qui malheureusement est tombée malade, donc qui s'excuse auprès de vous. Vous dire aussi, parce que j'ai pris note qu'effectivement la Lover House est bien inclue dans le programme, même à plusieurs reprises, et que d'ailleurs tous les sites dont Sandrine nous a montré, que Sandrine a localisé sur un plan, sont aussi d'une façon ou d'une autre repris dans la programmation. C'est repris d'un article de Bruse, en fait. Rendons à César ce qui appartient à César. Ils ont fait un chouette plan, voilà. Voilà, donc je pense qu'on n'a pas oublié grand-chose dans cette programmation. Et peut-être vous dire aussi, parce que c'est important, que le choix des activités et des lieux qui sont ouverts spécialement durant ces deux journées ont été présentés et soumis même à un comité scientifique qu'on a mis en place, qui était composé de voilà, plusieurs personnes d'Urban, du cabinet, mais aussi de Benoît Henriet de la VUB et de Georgine Dibua, que vous connaissez bien puisqu'elle est aussi membre de votre groupe de travail, d'Apolline Franken, et qui ont donc à différents, voilà, selon leur spécialité, non seulement voilà, donner leur aval sur les propositions, mais demander un certain nombre d'amendements quand les choses n'étaient pas présentées de façon optimale. Donc là, on a vraiment essayé d'être très rigoureux par rapport à la programmation. Alors sur ce, je laisse Pascal, qui nous a donc rejoint, dire un petit mot peut-être sur les suites et sur l'encadrement d'Urban. Le micro... Oui, bonjour à toutes et tous. J'ai en fait plus grand chose à dire parce que j'imagine, comme je n'ai pas assisté au tout début de la présentation de Marie-Sophie et de Sandrine, que vous aviez déjà posé le cadre dans lequel le rapport avait été établi très rapidement, j'imagine. J'avais préparé une petite présentation, mais ce n'est vraiment pas nécessaire de les projeter. L'idée, c'était de rappeler que donc, ce rapport a été réalisé à la demande du secrétaire d'État Pascal Smet suite à une résolution qui avait été prise par le Parlement bruxellois en juillet 2020, que le groupe d'experts a été composé par Urban sur base d'un appel à candidature. Il y avait à peu près 80 candidatures, 14 membres finalement, 14 experts ont été désignés. Et cette composition de ce groupe de travail tendait à viser un équilibre le plus parfait possible, si c'est possible, entre donc une composition qui soit la plus équilibrée au niveau des genres, du rôle linguistique, mais aussi la représentation des associations de terrain, du milieu académique, et aussi que ce soit autant représenté les afrodescendants que les non-afrodescendants. Donc voilà, il y a eu une volonté que ce soit le plus équilibré possible. Finalement, le groupe était composé de 14 personnes, 14 experts, qui se sont donc réunis très très régulièrement et qui ont fait donc produit ce très très beau travail sur 18 mois. Et donc le rapport est en ligne depuis février 2022. Il a été remis officiellement au secrétaire d'État Pascal Smet et au président du Parlement bruxellois donc en février. Et depuis lors, voilà, il est en ligne dans son intégralité en français, en néerlandais, mais aussi depuis le mois de juillet en anglais. Donc il est vraiment disponible sur le site d'Urban. En fait, je pense que Guy a transmis les références, hein, le lien. Qu'est-ce que je voulais vous dire encore, quelle est la suite finalement? Donc la demande du secrétaire d'État
l'État et du gouvernement et donc du Parlement, c'était d'obtenir de la part de ce groupe d'experts des recommandations pour viser donc une décolonisation de l'espace public bruxellois. Maintenant, il fallait évidemment digérer ce rapport qui est très dense, comme vous en avez déjà eu une petite idée. Et donc, Urban est en train de finaliser une proposition de plan d'action à l'attention du ministre. Le ministre attend aussi de la part du Parlement un plan d'action qui pourrait aussi s'inspirer de ce rapport. Donc, Urban propose une série d'actions qui pourraient être prises en charge, prises d'initiative par la région, mais aussi une série de réaction que pourrait avoir la région par rapport à des initiatives qui pourraient être prises par des tiers, essentiellement institutionnels, que ce soit les communes ou l'État fédéral ou d'autres institutions qui voudraient prendre des initiatives en termes de décolonisation de l'espace public en région bruxelloise, parce que vous le savez, il y a pas mal d'acteurs en fait qui sont présents sur le territoire, et donc il faut pouvoir gérer ça. Et donc l'idée, c'est évidemment que le gouvernement se saisisse de ce rapport et de ces propositions de plan d'action, donc qui viendraient tant du Parlement que de l'administration, et propose une série d'actions concrètes à mettre en œuvre dans un délai le plus court possible, mais qui pourrait s'étaler. Évidemment, c'est clair qu'on ne va pas décoloniser l'espace public en 3 mois, que c'est un processus à très long terme, et ça, c'était très important, je trouve, dans le rapport. C'est vraiment un processus qui doit s'inscrire dans une démarche à long terme. Donc voilà, il n'y aura pas d'action très précise tout de suite, mais c'est vraiment un processus en fait qui doit être mis en place. Voilà, c'était à peu près tout ce que j'avais envie de dire en plus de ce que Sandrine et Marie-Sophie ont très très bien présenté. Voilà, je voulais répondre aux questions s'il y en a. Merci beaucoup, Pascal, pour ces précisions qui sont importantes. Je crois que juste pour apporter un petit complément, c'est effectivement, et comme le disait Pascal, important de comprendre qu'on n'est pas dans des actions comme ça à court terme, immédiates, qui se focalisent sur on détruit pas une sculpture. Et donc, d'ailleurs, dans le programme, on a essayé d'éviter d'être cette confrontation directe parce qu'on pense que le rôle d'Urban, c'est justement de permettre le dialogue et d'amorcer surtout le contact avec le citoyen, et donc pas de cliver le débat un peu bêtement, mais au contraire d'offrir une plateforme de discussion très concrète. Et donc on a fait passer le message auprès des guides, et je le refais ici si certains n'ont pas encore eu cette information-là, qu'à l'issue de chaque visite, on prévoit que vraiment un temps conséquent de discussion et de débat puisse avoir lieu. Il ne s'agit pas juste de faire la visite et puis on s'en va, mais de laisser vraiment aux personnes la possibilité de poser des questions éventuellement, et de pouvoir répondre et de pouvoir avoir des réponses, mais en tout cas de ne pas fonctionner comme ça dans une espèce de à chaud avec des vérités assénées. Alors, je ne sais pas s'il y a quelques questions qui sont que certains d'entre vous voudraient poser. Je rappelle juste, alors si certains d'entre vous veulent poser une question, je vous propose de mettre la petite main qui nous permettra de vous donner la parole. De toute façon, s'il y a des questions qui sont liées aux journées du patrimoine, il y aura encore d'autres moments d'échange qui sont prévus et qui permettront, même en direct, en contactant Brigitte, d'avoir des réponses. Et pareillement, si des questions veulent encore, si vous avez des doutes par rapport à certains contenus, etc., je pense qu'on peut décemment abuser un tout petit peu encore de Marie-Sophie et Sandrine, et peut-être vous mettre en lien avec elles si vous souhaitez poser une question spécifique. Voilà, je ne sais pas s'il y a une question à ce stade-ci qui voudrait être déjà posée, ou si tout est clair pour tout le monde. Je n'ai pas l'impression que ça s'active beaucoup. Voilà, j'attends peut-être une seconde. Est-ce que tout est clair pour tout le monde par rapport à ce rapport? Je pense en l'occurrence que le rapport est extrêmement très, très clair. Voilà. Alors, je vois que Siska a une question. Donc, je propose d'activer le micro et de vous poser la question. J'ai activé le micro, je voulais faire la caméra aussi.
Ja, het is eigenlijk een vraag. Ik heb het rapport zelf nog niet helemaal gelezen, maar wat zijn de reacties van de politiek nu? Wordt er gevolg aan gegeven en worden er budgetten voor vrijgemaakt? Of, Ja. Sandrine, wat jij misschien? Dat is een goede vraag, hè? Dat is een heel goede vraag. Normaal gezien was het idee dat er tijdens de zomer iets ging gebeuren, hè? Mm-hmm. Inderdaad. Dus ik heb er nog niks van vernomen, tenzij individuele partijen die dan van alles hebben getweet. Maar van de politiek as such heb ik nog niet echt een idee van wat ze daarmee gaan doen. Ik weet niet als iemand van Urban iets heeft opgepikt. Je hebt natuurlijk die actie van Storms in Elsene. Dat kadert daar een beetje. Etterbeek is er ook eigenlijk mee bezig. Maar het is niet echt wat wij in het rapport aanbevelen van een masterplan en er echt op lange termijn aandacht aan te hechten. En zo niet dat inderdaad eigenlijk niet zo lokaal zou gebeuren. Mm-hmm. Ja, alleen niet exclusief lokaal. Ja. Mm-hmm. En weet Urban er iets van? Of? Nog niet. Oui, donc en fait, le gouvernement va se saisir du rapport et doit encore décider de son plan d'action. Donc il n'y a encore aucune décision, aucune vision particulière, aucun budget non plus qui a été encore déterminé. Donc c'est vraiment au niveau du gouvernement, il va y avoir une décision, on espère, maintenant en automne, en fait, en septembre ou octobre. On espère qu'il y aura une décision avec... des actions précises qui vont être identifiées. Mais en effet, comme disait Marie-Sophie, il y a déjà eu une première action politique, quand même, importante, mais au niveau local. On aimerait éviter ce genre d'action un peu intempestive, et que ça s'inscrive plutôt dans une réflexion plus réfléchie, quoi. Ouais. Oui, okay. Merci. Merci pour cette première question. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui voudrait poser une question et profiter de nos invités? Je profite peut-être de l'occasion, si j'ai une petite seconde, pour vous dire, même si ça n'a peut-être pas un rapport direct, mais je pense que c'en a un quand même, que nous préparons à l'heure actuelle un colloque qui aura lieu dans le premier trimestre de l'année 2023, lié à la place de la femme dans l'espace public. Alors, ce n'est pas le même sujet, mais on sait qu'il y a énormément de vases communicants. Et d'une façon ou d'une autre, à un moment donné, on aura certainement un ou une intervenante qui évoquera la question spécifiquement de la femme racisée, en particulier dans nos espaces publics. Donc voilà, ça c'est pour vous dire qu'on n'a pas encore une date très très claire, mais si ce sujet vous intéresse, soyez attentifs à notre newsletter, parce qu'on espère donner une certaine ampleur internationale à ce colloque. Alors, je ne sais pas s'il y a encore quelqu'un qui souhaite poser une question. Je n'ai pas l'impression que ça bouge beaucoup. Et donc, je pense que je vais conclure assez simplement. Ah, voilà. Oui. Sans prix. Oui, voilà. Moi, je vais en fait donner des parcours par rapport à la mémoire du génocide des Tutsis au Rwanda. Et en fait, il y a des sujets qui sont très chauds, puisque évidemment le tribunal est encore en cours et qu'il s'agit d'un génocide, etc., etc. J'ai quand même déjà eu des réactions, des pressions aussi qui essaient de remettre en question la notion même de génocide. On m'a aussi dit de faire attention par rapport à des génocidaires éventuels qui viendraient aussi. Donc bon, je vais bien me préparer par rapport à ça. Mais ma question est plutôt très concrète par rapport à la sécurité d'un événement. Bon, je fais partie aussi d'un groupe minoritaire en tant que lesbienne, donc je sais ce que c'est d'être attaquée ou d'avoir des projets qui sont chahutés. Et ici, bon, c'est aussi par rapport à l'encadrement. Donc, je sais qu'il y a eu tout un travail et c'est très bien. Donc, ça, je pourrais aussi évoquer le fait qu'il y a une commission. Il y a un comité qui a avalisé aussi les parcours qu'on a proposés, donc ça donne aussi une crédibilité. Mais ma question, c'est par rapport à ça, est-ce qu'on peut faire appel à, je ne sais pas, un service auprès de Urban en cas de difficultés particulières
Ça, en fait, ça n'a pas été évoqué. Oui, parce qu'ici, nous sommes tout un week-end. Hein, il y a tout un week-end qui est organisé. Il y aura un grand public. Il y a déjà, évidemment, une présélection. Les personnes doivent s'inscrire. Mais bon, en même temps, dans notre cas, le lieu, enfin, dans tous les cas, les lieux de rendez-vous ont été donnés. Bon, j'ai beaucoup d'expérience aussi, hein, 40 ans d'expérience de gestion de conflits. Je suis moi-même aussi sociologue. Mais voilà, donc je voulais savoir, est-ce que vous avez eu ce genre, oui, discuté de ce genre de choses aussi? Oui. Oui, on en a discuté lors des réunions précédentes, notamment avec les représentants de plusieurs associations qui participeront à ces journées. Et cette question a été effectivement évoquée, et c'est pour ça qu'on a bien insisté sur le fait qu'on devait rester dans quelque chose qui doit rester, comment dire, voilà, qui doit être informatif, rester vraiment sur, essayer de sortir de l'émotionnel au maximum, pour donner vraiment un cadre factuel avec des faits objectivement définis par un cadre scientifique. Mais par contre, il y a certains lieux qui vont être sécurisés. Et donc, alors je ne sais pas, parce que là on est déjà un petit peu tard pour le prévoir, mais on peut tout relayer par mail la question à Brigitte, et éventuellement, si c'est encore possible budgétairement, on peut détacher quelqu'un de la sécurité pour être là une partie de la journée si vous estimez nécessaire. Voilà. Ah, d'accord, merci. Voilà, est-ce que sur le fond, il y a des questions encore par rapport au rapport il y a une autre question qui pourrait être évoquée. Est-ce que tout est clair pour tout le monde? Alors, j'ai l'impression que c'est défini, que c'est tout. Moi, je voulais quand même vous remercier parce que je trouve qu'il n'y a jamais assez d'informations. Ici, j'ai été très, très agréablement surprise justement de la consistance du rapport. Donc, 252 pages, je ne trouve pas ça trop. C'est bien la première fois que du contraire, parce que c'est très souvent aussi, quand on fait des recherches, c'est vraiment la difficulté d'accès à des informations autre chose que trop générales. Et ici aussi, il y a énormément, aussi votre bibliographie très développée, la quantité, la diversité des intervenants, intervenantes, ça j'ai trouvé fantastique, vraiment tout ce travail déjà fait à ce niveau-là aussi, et qui manque souvent aussi, hein, dans un tas de cadres. Donc moi, au contraire, je vous félicite, je vous remercie profondément du travail en profondeur, très, très factuel, très documenté que vous avez fait. Si des personnes désirent un résumé, rien n'empêche de le faire, ou à ces personnes de le faire. De toute façon, je suis certaine, vous devez avoir des dossiers de presse. Et là, c'est souvent un résumé. Il y a un résumé au début du rapport, sinon c'est fait. Ah, moi, je le trouve très bien, parce que je commence toujours par l'intro et les conclusions. Vous avez fait tout ce qu'il fallait. On peut aussi, on n'est pas obligé de lire un rapport de A à Z. Et là, on peut très bien lire vos chapitres. Enfin, moi, je trouve que vous avez fait ça de manière très didactique. Allez, merci. Je vous remercie. Merci beaucoup. Et merci de l'avoir lu. Oui, on est plusieurs à l'avoir, quand même. Voilà, mais je pense qu'on va conclure ici. Moi, je vous remercie aussi pour le travail de plusieurs mois de préparation. Merci pour cette présentation aujourd'hui. On aura peut-être encore besoin de vous les prochaines semaines, mois. Peut-être dire aussi un peu dans la foulée que Urban est très content de pouvoir le mettre aussi en valeur, ce rapport et ses conclusions. Et alors, quant à la séance qu'on a de présentation qui a été faite ici, c'est ce que j'ai dit en début de présentation, si parmi certains d'entre vous, vous estimez que c'est intéressant et qu'il y a lieu de multiplier, de refaire ce genre de présentation à d'autres moments, ou des présentations sur d'autres thèmes un peu particuliers ou chauds pour aller au-delà de simplement, encore une fois, des positions un peu caricaturales, n'hésitez pas à nous envoyer un petit mail pour nous inciter à réorganiser ce genre de séance. Voilà, moi je vais peut-être alors une dernière fois vous remercier, Sandrine et Marie-Sophie. C'était très très bien comme présentation, je pense que ça nous a beaucoup aidé. Tant mieux. Et je pense qu'on vous retrouvera certainement prochainement. Le 17 et le 18. Hein. Voilà, merci à vous, merci à tout le monde. Merci à vous aussi. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir.